Bonjour et bienvenue pour cette 7e édition de Station 70 sur HMTV. On va d'abord remercier M. Xavier Godefroy qui nous reçoit dans cette magnifique ferme fortifiée au cœur du Bessin. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Christian du club des amoureux de 203 et 403. Et là, il y a Jacques sur le côté qui est un puits de science, c'est notre encyclopédie roulante. La 403 est un véhicule qui a été avant tout dessiné par un designer et un styliste. Moi j'adore le mot styliste, on a l'impression qu'il fait de la mode, mais c'est de la mode. La 403, il l'a dessinée merveilleusement bien pour Peugeot et ça a été un début de collaboration puisqu'après, il a dessiné la 204, il est passé à la 404, enfin bref. Jean-Baptiste Pininfarina, excusez-moi pour l'accent, est un type qui a commencé sa société dans les années 30 et tout de suite, il a fait un design absolument sublime sur les voitures. Il a travaillé beaucoup avec Agnelli, qui était aussi le patron de Ferrari. Et pour la petite histoire et l'anecdote, on dit toujours que c'est Monsieur Battista, Jean-Baptiste, qui a influencé Agnelli pour que les Ferrari aient le moteur à l'arrière. La 403 est une voiture absolument magnifique et surtout c'est un vrai couteau suisse. Pourquoi ? Parce qu'on l'a en berline, on l'a en pick-up, on l'a en break, on l'a en... Bref, il y a des choses extraordinaires, c'est une gamme fabuleuse. Il ne faut pas oublier non plus que la 403, c'était le premier modèle français sorti en série avec un moteur diesel, le moteur Indénor. Le moteur Indénor, voilà, un truc totalement indestructible. Pour commencer à présenter la 403, on s'est mis près de cette petite berline magnifique. Mais en plus, celle-ci, voilà, il y a un côté cœur absolu. C'est l'ancienne voiture de Christian qui a vendu à Jean-Pierre. Et Jean-Pierre est parti pour un monde meilleur. C'est pour ça qu'on a voulu commencer pour rendre le petit hommage à ce collectionneur. Mon Christian, parle-moi des amoureux de 203 et 403. Alors, les amoureux des Peugeot 203-403, c'est un club qui a été créé en 1986. Par des passionnés de Peugeot 203-403. Et donc, c'est un club national. Nous sommes environ 300-350 adhérents, situés France, mais également Suisse, Belgique, Allemagne. On a Canada, Australie. On a beaucoup d'amoureux qui rejoignent le club parce que le club représente une source de savoir des modèles et beaucoup restaurent des voitures. Et on a des personnes très qualifiées en technique et ça aide beaucoup. Bon, ça c'est une magnifique chose. On va passer à la technique en allant voir notre ami Jacques dans un deuxième temps. On va rentrer vraiment dans le détail des différents modèles de la 403. Là, je vais vous présenter mon ami Jacques qui est l'historien du club Peugeot 203-403. Il a un savoir extraordinaire et on se trouve là devant deux déclinaisons magnifiques, le cabriolet et le break. Parle-nous un petit peu du cabriolet. Eh bien, le cabriolet 403 a été produit à un peu plus de 2000 exemplaires. Il a été équipé sur certains modèles de coupleurs Jaeger, c'est-à-dire que l'embrayage est semi-automatique. Qu'est-ce que l'on peut dire encore ? Bon, nous avons derrière nous un exemplaire équipé d'une calandre qui est en fait un accessoire d'époque, qui est devenu très difficile à trouver, avec quelques macarons de club. C'est une voiture qui a été totalement restaurée. Parle-nous un petit peu maintenant du break, de la familiale ou de la commerciale, dis-moi les différences. Disons quelques mots du dérivé long qui est ici devant nous. Ce dérivé a existé en deux versions, la familiale et la commerciale. Alors la grosse différence, c'est que la commerciale ne comporte que deux rangées de sièges, que l'on voit ici, alors que la familiale comprend également des strapontins en partie extrême arrière. L'habillage de la voiture au plan carrosserie et accessoires est complètement différent, en ce sens qu'il y a beaucoup d'enjoliveurs qui figurent sur ce modèle, mais qui est un petit peu particulier, qui est une commerciale, mais sur la vraie commerciale, si l'on peut dire, certains enjoliveurs de tours de porte, de bas de caisse, etc. n'existent pas. C'est un véhicule, comme son nom l'indique, à destination commerciale, pour des artisans, commerçants, etc. Alors que la familiale est en fait une version plus luxueuse, l'équivalent de la berline, mais pour toute une famille. On va se rapprocher tout doucement d'une version très utilitaire, c'est-à-dire la dépanneuse et le pick-up. I need a day off of the bullshit.
Christian aujourd'hui nous a apporté deux magnifiques véhicules, ces deux camionnettes. Peux-tu nous en dire plus ? Ce sont des modèles que Peugeot se devait de construire dans la mesure où il a existé bien avant la guerre, la camionnette 202, qui après la guerre a été suivie par la camionnette 203 et forcément la camionnette 403, dont nous avons deux exemplaires derrière nous. Un qui est équipé en véhicule de dépannage et l'autre, la camionnette telle que vendue par le constructeur à l'époque. L'intérêt, c'est que la benne arrière a fait la 203, la 403 et la 404. Jacques, parle-nous de cette magnifique 8 chevaux. Eh bien, c'est la première 403 qui a été commercialisée. C'est le modèle qui était assez richement équipé, aussi bien au point de vue confort visuel du véhicule que confort d'utilisation. Alors, il y a un certain nombre d'équipements qui ont disparu ultérieurement sur la 403-7, étant donné que c'était un modèle un petit peu dégradé, et puis aussi sur la 403 diesel, qui a été très souvent utilisé par les compagnies de taxi parisiens. Alors, est-ce que tu peux me parler, mon petit Jacques, du surnom de cette jolie bourgeoise ? Son surnom, ben en fait, il est tout simple, mais il résume très 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 bien le contenu de cette voiture. Ça tient en deux mots, c'est une bourgeoise discrète. Enfin, une bourgeoise discrète. Cette Peugeot 403 Cabriolet a été célèbre dans le monde entier. Bien sûr, c'est pas celle-ci, mais c'est exactement le même modèle grâce à une série télévisée américaine avec le lieutenant Colombo, comme chacun sait. La Peugeot 403 se positionne quand même dans le haut de gamme des véhicules français. Par exemple, celle-ci appartenait à un médecin de Rouen. On avait sur le panel de la voiture ses équipements, ses différentes variantes, qui passaient du médecin et on allait jusqu'à, à mon avis, le plombier qui prenait la version pick-up. Pourquoi les amoureux des Peugeot 203 et 403 aiment cette voiture ? Tout simplement parce que les amoureux, ben, ils ont des sièges couchettes.